Beaucoup de personnes souhaitent revoir le Antoine Griezmann de 2016, le Antoine Griezmann qui a crevé l'écran. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Antoine Griezmann, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, Antoine Griezmann, beaucoup pensent que Griezmann va retrouver le nouveau de 2016, un Griezmann qui était parmi les top 3, top 4 meilleurs joueurs du monde. Les amis, c'est terminé. Ce que Griezmann fait à son âge, c'est déjà du très très haut niveau. C'est déjà du très très haut niveau. Donc, ne pensez pas que Griezmann peut faire plus. Il ne peut pas faire plus. Griezmann ne peut plus donner plus parce que l'âge est déjà pesé sur lui. Le mec a déjà 33 ans et poussière. Donc moi je trouve que le Griezmann qu'on voit actuellement, c'est un Griezmann de très très haut niveau les amis. Donc partagez-moi votre avis en commentaire. Moi je pense que Griezmann à son âge, il donne le mieux de lui-même, il est encore performant. Mais les gens veulent encore le voir plus performant. Moi je pense que on ne pourra plus voir le Griezmann de 2016. Donc contentez-vous de voir ce Griezmann-là. Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.